Ah, est-ce que c'est bon? C'est bon. Ah. Petit stream du vendredi matin. On est le 20, donc on est le 20 septembre 2024. Petit stream du matin, tranquille. Pas grand chose qui va bien se passer. C'est juste de la construction tranquille, un peu de discussion aussi, hein, évidemment. Franchement, voilà, c'est juste comme ça pour faire en sorte que le live. Enfin, que le truc satisfactoire soit toujours un peu mis à jour et pas juste les mercredis après-midi. Plus que j'ouvre le chat. Et il faut que cette foutue tablette graphique arrête de se déconnecter. Hop, voilà. Débrancher. Est-ce qu'on fait un test du chat évidemment? Ça fonctionne. Est-ce que le widget. L'overlay fonctionne sur OBS. C'est bon, ça fonctionne. Allez, c'est parti. Hier, on s'était arrêté sur la fabrication des... Fabrication des plaques de fer renforcées. J'ai tout relié à la logistique. J'ai commencé à construire pour les rotors. J'ai un peu changé le design. Du coup du truc, j'ai mis ça, comme ça on voit un peu les objets montés là. C'est joli quand même. On les voit un peu mieux. Et là du coup, bon, pas vraiment besoin puisque pour l'instant on voit très très bien. Ça changera sûrement après. Ensuite, ça là-bas. Je vais essayer pour les as, pas pour le reste de la... Déjà il faut aussi que je change tous les piliers ici. Enfin, des piliers en métal, je trouve que ça rend beaucoup mieux que les piliers en béton. La texture est beaucoup mieux et que je vais essayer de faire en sorte que toutes les prochaines machines soient plus séparées plutôt de une seule fondation plutôt que deux, parce que deux ça fait vraiment un truc qui est très large et c'est assez bizarre. Genre, le fait que ça soit que de 1 ne me dérange pas trop. Alors ici du coup c'est des rotors. Pas du tissu des rotors qui consomme du coup une bonne partie des vis. Hop. Il faut aussi du coup organisation logistique. Hop. Là. Alors, déjà. De 2 mètres.
contrôle. Hop. H. Maintenant. C. Hop. Voilà. On va remettre ça de tout le côté. Ah. Oh, ça merde. Ça du coup. De l'autre côté aussi. Tac. Ah mince. Donc tout ça c'est bon, je crois pas que j'ai de trucs à rajouter. Du coup, maintenant faut aller en dessous. Hop là. Où c'est que c'est? Là. Donc, il faut des vis déjà. Sachant qu'on en a 240 et il y en a 40 qui seront envoyés directement dans le stockage. Donc pour ça il va nous falloir un répartisseur intelligent. Il va nous falloir des répartisseurs tout court. Hop. Et ça du coup ça sera un répartisseur intelligent. Qui envoie sur le côté tout, qui sort le surplus. Donc ça, ce sera les vis que je vais amener. Hop. R. Voilà. Hop, je vais les amener par là. Ça du coup ça s'emmène là dedans. Hop. Alors tac. Oh non. Il y a un surplus de tiges. Ah bah non, 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 il n'y a pas de surplus de tiges du tout. Puisque.
en fait on va avoir donc là on a un polygon déjà 120 je crois. Je vais revoir les trucs. Alors, on produit 90 tiges par minute et on va en utiliser 40 d'un côté et 12 de l'autre. Ça, hop, ça envoie une partie là-bas et ça enverra une partie vers les cadres modulaires. Et je vais mettre ça en dessous. Je vais faire genre, c'est soutenu. Bon, on s'en fout, ouais. Alors, ensuite, on va pouvoir... Ah non, faut faire la sortie. Alors, on va y emmener par où? Sachant que les rotors, on en aura re-besoin après pour les moteurs. Moins les stators. Les moteurs. Donc, je vais y emmener... Bon, je vais prendre ce... Puis j'irai y chercher... Après, je crois que on peut définir les moteurs pour qu'ils n'utilisent que la moitié. Genre ils n'utilisent que 4. Pas le bloqueur intelligent, s'il te plaît. Moteur. Là ils utilisent 10. Je le mets à 50 je crois. 10. 5. Ok ouais non, problème que je. Ça en produit 3 par minute des rotors. Sachant que les rotors, c'est pas un truc que je vais avoir trop besoin pour le moment. Bon, en fait, ça va s'accumuler tellement vite que. Parce que, là, certes, les assembleuses en ont besoin. Mais ça en demande que 4. Genre là, j'ai déjà une énorme réserve, je sais pas où est-ce que c'est. C'est là-bas. Dans quel conteneur? Attends, je les ai passés, ils sont là en dessous. Yep.
Genre, j'en ai déjà 1800, genre avec ça. 1800 divisé par 4. Divisé par 4, ça me fait... Ça... Non, pas fois, divisé. Ça me fait quand même 450 assembleuses pour l'instant, et puis sachant que ça va continuer de s'assembler, donc en vrai... Et en vrai, c'est quasiment une assembleuse par minute, donc en vrai, c'est pas grave. Ça suffit largement. Bon alors. Maintenant. Il me faut. Maintenant, il va falloir aller. On va déjà s'occuper du power. Bon, c'est vraiment juste comme ça pour voir s'il n'y a rien qui. Il n'y a rien qui. Qui fait sauter les plombs. Alors, ici, c'est le milieu. Hop là. Non. Alors, voilà. Ah oui, mais vu que ça demande 100 par minute, faut pas mettre un. Au moins mettre un MK2, donc on va mettre un MK3. Je suis con. Et évidemment, je me suis bourré. Ça devrait être bon. Voilà. Ah, les premiers rotors. Ensuite, faire les plaques, là, les autres là. Les... Oui, il faut les cadres modulaires, je crois. C'est ça, cadres modulaires, et après, ça va être à l'acier. Oh putain! Bah si, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir ramener le charbon. Alors, je vais les mettre ici, je pense. Sachant qu'il n'y en a qu'une. Qu'une seule assembleuse. Quoique, non, je vais les mettre plutôt. Ouais, là. Bon, alors, faut qu'on ressorte ça. Non, je vais en faire. Je vais juste. Alors, sachant qu'on a une seule assembleuse. Une seule assembleuse, normalement, tient sur... Sur juste ça. Normalement. Hop là. Alors, est-ce qu'on peut en mettre une là-dedans? Oui, on peut mettre une troupe, ça sur le temps. Alors, fondation de 2 mètres. Je crois que c'est des fondations de 2 mètres que j'ai foutu là-dedans. J'en
renforcer les fondations de 20 mètres. En asphalte en plus. Voilà. Petite assembleuse. Alors, contrôle, hop. Non, c'est plus pour la santé. Yep. Hop. L'usine. Tac, tac, tac. Architecture. Organisation. Angle, hop. Disque, un petit escalier. Tac, tac. Petit bout du corps. Voilà. Alors là, faut retourner. Hop. Le milieu. Ok, non, pas du tout. Mince. Ensuite, les poutres. Ça va jusque là. Hein. Je crois. C'est ça, ça s'arrête genre à la moitié ici. Genre qu'ici on peut pas vraiment mettre le panneau ici parce qu'il y a littéralement les trucs qui descendent, mais on peut mettre des petits panneaux de chaque côté. Tac, section icône, aucun. Sélectionner couleur blanc. Ah oui d'ailleurs. Trois brillants. Hop là. Voilà. Ensuite. Est-ce que du coup ça fonctionne genre à 100%? 98%. Et 98% en même, mais c'est normal. C'est parce que ça s'est bloqué. Ah ouais, non, là, ça va passer à 100%. Donc. C'est bon. Alors. Ah oui, ensuite, on va mettre ça. Là. Alors, c'est que le son. J'y verrai mieux avec les trucs. On va déjà faire tout ça. Hop.
Assembleuse x1. Sélectionner icône assembleuse. Elle est où? Là. Définir un répertoire. Action. Ajouter. Catégorie. Sélectionner l'icône. Usine. Oh là. Usinage. Ou machine plutôt. Machine. Ok. Modifier l'icône. Et décoration, je vais mettre ça. Ajouter une sous-catégorie. Assembleuse, du coup. Hop. Sauvegarder. Charger un plan. Assembleuse. x2. Définir un répertoire. Machine. Hop. Sélectionner icône, hop, assembleuse, hop, hop. Ah oui, vider. Tac, récupérer. Plan. Machine. Ah. Texte catégorie. Forge. Ah, c'est très original. Merde, putain. Faut tout refaire. Non, c'est bon. Appliquer les modifications. Voilà. Un peu plus organisé là-dedans. Ah, j'ai oublié de supprimer les plans. Hop, décoration. Je vais mettre le temps pour le moment. Ajouter une sous-catégorie. Autre. Autre. Voilà. Alors. Il faut une tour pour que je regarde. Hop. Plan x1. Merde. Dans ce sens là c'est bien. Ah, c'est quand même juste que ces trucs là ça fait un peu bizarre, je pense. Oh, c'est pas grave. Ah, comme ça peut-être. Hop, zone d'usine. Hop là. Hop. Alors, il faut...
faut maintenant. Connard. Bon, ça se remplit petit à petit. What the fuck? Oh non, je suis coincé, putain. J'ai pas envie de... Oh, date de quand un dernier autosave? 9h24, il est 30. Ah c'est bon. Oui, ok. Oh putain. Je veux que mon hub il m'affiche 100 jours sans incident. Je sais pas combien on est. Je vais les voir. Il va me mettre 0, je vais rien comprendre. On est à 39 jours sans incident. Oh. Je crois que je suis pas encore mort une seule fois depuis le début du jeu. En tout cas, je n'ai pas le souvenir. Alors, vraiment, il y a une échelle, il faut bien que tu t'y accroches quoi. Alors. Alors, tac, tac, ça. Alors voilà, ça va être un peu plus compliqué d'y mettre au centre. Ah, elle est en sorte. Oh, ça va être chiant. Hop. Alors, une sortie. Là, j'ai eu le tour et où là. Hop. Paf. Rien de rien. Je ne regrette rien. Voilà. Paf. Alors, du coup, ici on va amener les plaques de fer renforcées. Donc, je vais mettre un splitter genre là. Hop. À droite, tout
Et main gauche tout et l'autre surplus. Et du coup c'est les barres de fer. Alors, hop, et ça du coup ça va être envoyé par là-bas. Parce que je sais pas encore où, moi je sais pas du tout en fait encore où est-ce que je veux que le stockage, donc je vais laisser comme ça. Parce que là du coup on a des plaques de fer. Là on aura des tiges, nos plaques de fer tout court sont là-bas, et les vis sont là, et les rotors sont ici. Sachant que les rotors eux vont commencer à stacker les vis. Alors, ça il faut que je définisse en cadre modulaire. Hop. Comment ça, pas d'alimentation? Oh putain, merde. Oups. J'ai zappé de faire ça. Hop là. Voilà, là ça devrait commencer à fabriquer du coup. Si j'arrive à... C'est bon, ça fabrique 12 par minute, 3 par minute. Ok, on va pouvoir passer aux fonderies pour faire l'acier. Et pour ça, il nous faut un blueprint. Mais je vais déjà remplacer tous ces trucs par des piliers en fer avant que j'oublie. Hop. Et au moins en vrai ça reste un peu dans la continuité du truc parce que pour l'instant tous les trucs que j'ai fait, c'est que des piliers en fer. Pas de piliers en béton. Au moins ça reste un peu dans la continuité. Thank you.
C'est combien, c'est ça, je crois. Et c'est pas la bonne hauteur. Ah! Le trou. Alors. C'est peut-être plus simple si je fais par là en vrai. 5. 5. Alors, il faut monter au-dessus. Merde. Ça fait quand même beaucoup de piliers. Cinq. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer du coup aux fonderies. Il m'en faut 6. Donc, customisateur, non, plan. On va déjà charger le plan de la forge. Vous ne possédez pas les ressources nécessaires pour faire le plan. Ah. Hop. 5, voilà. Ici on fait tous les calculs à la main, pas besoin d'appli pour faire. Alors, changer un plan, machine, forge, forge, MK1, voilà, sauvegarder, et là on va passer au forge MK2, éviter le rôle. Forge MK2, MK2, définir un répertoire, machine, ajouter le plan ici. Non, ça c'est bon, et c'est l'icône forge. Alors, où c'est qu'elles sont?
Non. Ah là. Alors, c'est parti. Comment on va essayer de designer ça dans le, un peu dans le truc similaire à ça. Ah, le connard, il a rien sauvegardé en fait. Ok, ok. Fonderie. Alors, on essaye d'en mettre 3. Faut 3 de toute façon, c'est sûr, mais on va déjà essayer de les centrer. Alors, une fonderie. Tac, 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 tac. Tac. Ok, là, du coup, c'est le centre. C'est le centre ici. Hop, et hop. Prendre des petits piliers en fer. En fait, ça va pas trop fonctionner ça. Autant prendre des petits en vrai. Ah, comment faire? Parce que autant les autres, vu qu'il y a que, vu qu'il n'y a pas de deuxième entrée, elles sont plus fines et du coup on peut faire ce truc là avec les piliers. En soi, je peux aussi y faire avec ça. Hein. Chercher les poivrons. Non, non, Michel. Est-ce que du coup, si je fais que l'alimentation elle passe sur le côté? Ça. Genre un truc comme ça en vrai. En vrai, ça peut être pas mal. Ça peut aussi couper genre ce truc là. Après je peux peut-être genre rajouter un mur ou un cadre comme ça là. Pourquoi pas, pourquoi pas, avec peut-être à l'intérieur une poutre en vrai. Ah, en vrai, j'aime bien ça. Je pense qu'on va faire ça. Ah, on peut peut-être même rajouter genre un petit panneau.
nourriture. Est-ce que je rajoute un panneau ou pas? Je sais pas, je pense que ça va plus surcharger le truc qu'autre chose. Est-ce que... Oh, attends. Oh, 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 oh. Je peux faire ça. Tac. Tac. Alors, attends, je peux peut-être même... Hop, contrôle H. Faire en sorte que... Oh oui, oh oui. Oh mais oui, oh c'est bien ça. Je pourrais même mettre... Genre, sur ces trucs-là. D'ailleurs c'est pas très sécurisé parce que tu passes littéralement au-dessus du fourneau. Oh ça, ça peut être bien ça. Après est-ce que... Je peux pas le nudge à l'intérieur. Ah attends, je peux peut-être le nudge si je fais un poteau de 1 mètre. La couleur, CTRL C. Attends. CTRL V, CTRL V. C'est une icône, aucun. C'est une icône, aucun. 3 brillants. Hop, voilà. Alors, c'est sûr que je peux mettre autrement pour que ça rende mieux. Ça. Hop. Ouh. Ce qui fait qu'après je peux mettre la passerelle au-dessus. Hop, et ça, et de 1 mètre. Et du coup, ensuite, on met... Je suis pas sûr que c'était là, mais... pas pile pour le bord par contre. Puis là je peux pas plus.
problème, c'est que si j'y mets là-dessus, j'imagine que... Ouais, c'est toujours... C'est un truc qui est genre... Mais au moins... Ah, ouais. Je pense que je vais trop loin en fait avec la passerelle au-dessus. Ah non, la barrière au-dessus, ça... ça nique un peu le truc. Hop. Hop, hop. Ça, on peut supprimer. Je vais la laisser au milieu là, en vrai j'aime bien ça. Ça donne un peu de profondeur au truc. Est-ce qu'il faut que j'ai la nudge voilà, pour qu'elle soit au milieu. Je suis sûr d'en avoir foutu une à l'intérieur ici. Alors, passerelle. Merde. Je clique partout sauf sur le truc qu'il faut. Passerelle droite. Et en vrai, comme ça, et avec peut-être du coup le... architecture, le cadre là. De le... Ah, il faut être décalé. Pas mal, moi j'aime bien. Oh j'aime bien, oh j'aime bien, c'est bien. Peut-être le chemin derrière, non, je sais pas. J'aime bien. Alors. Forge MK2. Ouais.
là. Une petite forge. Alors, on va y foutre où? Je pense qu'on va y foutre là. Bah non, 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 faut pas y foutre là, faut y foutre là-bas. Parce que si j'y fous là, après, j'ai plus rien, j'ai plus de place pour le cuivre. Une station ou alors je la mets là-bas comme ça on fait tout l'acier ici et aussi le fil actif. Ça doit être là, faut que je pense aussi à l'arrivée de charbon. Dis-moi, le plus simple ça serait de faire un étage entier là, genre là, tout ça, faut pas que ce soit des, faut pas qu'il y ait de tapis, faut que ce soit pour les camions passer et délivrer les trucs, parce que la seule route possible pour aller chercher du charbon c'est par là-bas. Il faut passer au milieu de tout ça, soit passer par là, la rivière là. Parce que je crois pas qu'on puisse, il n'y a pas de route genre tout bien genre. Par contre ici il y a putain. En vrai, si, là au milieu, ça arrive là. Faut que je vois. Alors. Pas du tout. Je pense que je vais y mettre là. Bon, après, vu que c'est un plan, en vrai, ça se supprime facilement, quoi. Ah ouais, je l'ai pas du tout centré par contre par rapport aux fondations. Alors. Attends quoi? Ah, que non. Ah merde! Voilà, le milieu normalement est ici. Faut pas que j'oublie qu'il y a quand même un piqué, je crois. Thank you.
essence là. Ok. Ok, ça a l'air d'être centré. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Plan, décoration, non, bon défini. Hop là. Ensuite, plan. Décoration, barrière avec lampe, lampe blanche. Hop. Hop, spécial nom, X, matériaux, fondation de solte. Hop. Ah. Hop.
Emmerde toi. Voilà. Non, parce que c'est des barres. Ah. Bah. Attends, est-ce que c'est parce qu'il y avait le beam que ça me faisait ça? Je rigole, je disais ça. Oh putain, la sécurité avant tout. Ensuite la logistique, les passages au sol. Hop, lingot solide, hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Ah. Pas normal, toi. Voilà. Pourquoi c'est des MK2 là? Alors, maintenant. Prise morale. Bref, il faut y mettre en dessous.
paf. Ça va le... la power green d'ailleurs, je vais pas regarder. Ouf. Ouf. Oh la, la consommax, elle est... elle commence à grimper. Oh putain, il nous reste encore... Ah oui, il reste quand même que 400. Ah. Oh snip. Dévoreur. Il est... je vois, j'arrive pas à voir ce qu'il manque. C'est écrit en tout petit. Alors, il va falloir faire le charbon. Et je pense que je vais devoir agrandir ça pour laisser passer des camions. Alors, où c'est que je vais les mettre? Je vais pas les mettre là. Je pense là, comme ça. Alors, laquelle va servir pour le charbon? Je pense que je vais prendre celle-ci pour le charbon. C'est plus proche. À vos souhaits. Il y a juste ces trucs-là qui vont me faire chier. Pour l'instant, ils vont être là. Hop. Tic tac 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 tac. Tic tac 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 tac.
Et je pense que le reste, je vais juste y délaisser. Voilà. D'ailleurs, est-ce que j'ai... Parce qu'il y a un truc que j'ai envie de dire, parce qu'il va falloir que je fabrique du coup de la... Comment s'appelle ? Poudre de béton armé. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas celle avec les tuyaux. Parce que celle avec les tuyaux est tellement plus rentable. Donc je pense que je vais faire, c'est que là, après, je vais déjà faire le... la connexion avec le... avec la... avec les ressources pour les... le charbon, mais je pense que je vais aller chercher après comment ça s'appelle ? Des arbres pour pouvoir avoir la... pour avoir cette putain de... de recette alternative. On mettra... Alors, okay, on va commencer par le fer, parce que le fer est déjà disponible. Alors, où est le fer? Ah, il est là. Donc, y passer avec un au-dessus. Likes to run around. I'm the wanderer. Tac, 1, 2, 3, 4. Parce que là, on a... Attends, on a combien? Ça utilise 40 x 3. 40 x 3. Ça fait 120. Mais bon. Sachant qu'une ligne de fer est égale à 120.
ça se termine là. Voilà. Hop, le fer est emmené là-dedans. Voilà. Fuck, ça fait très bizarre que ce truc suive la vitesse d'un requin. Bref. Maintenant, le charbon. Ah! Ok, donc ça, faut que j'y fasse tourner plus loin. Parce que, ouais, du coup, il est. Ouais. Donc, plutôt y faire tourner à partir d'ici. Du coup, là... Donc le charbon sera amené par là, donc il sera amené une partie par ici, du coup, ouais, une partie, il y aura un tapis qui sortira de là et un autre qui sortira de là. Donc alors,
T'arrêtes, Lucas. Voilà. On aura notre charbon qui arrivera ici. Avec du coup. Tac. Ah. C'est qui va m'emmerder ce truc. Parce que autant ça. Celui-là vaut pour m'emmerder. Mais celui-ci, il va m'emmerder, ce petit bâtard. En vrai, il faut que je... Alors attends, ça produit 360, je crois. Alors. Ça produit 360 lingots de métal, de scie en 20 minutes. Et ça produit, chaque truc en produit 60. Donc 3 fois 60, ça fait 180. Ça fait des deux convoyeurs de 180 lingots de scie. On va tout mettre sur une seule.
non, c'est mieux dans l'autre sens. Tapis là, hop, voilà. Ensuite ici on met les répartisseurs, voilà. Hop, un groupeur qui fait comme ça. Alors non, bah de toute façon il va falloir y mettre en hauteur, je suis con. Est-ce que ça c'est genre assez pour passer? Là, on aura notre acier qui sera amené par là-bas pour aller faire de la construction. De bim, moins de pipe et de bim. Truc en acier, quoi. Bah, c'est un gros bordel de logistique en dessous, mais en vrai, ça passe. Ce bus de fer là, j'aime trop. Ah, va falloir tout aménager après. Oh là, ça va être long. Bon, va falloir aller explorer du coup.
récupérer, je pense, pendant une petite heure là. Une petite demi-heure, je sais pas. Je vais voir. Alors. Déjà. On va tout poser. Non, on va surtout poser ce qu'on n'a pas besoin pour aller faire de la recherche. Pas de là, on va pas faire, on va faire de la recherche, mais on va juste noter l'endroit et on va noter qu'est-ce qu'il faut. Alors, déjà, il faut ça. Il me faut un peu de fil aussi parce qu'il va falloir que je puisse construire, construire 2-3 trucs au cas où. Un établi, un hop. Ça, je crois que j'ai assez pour construire un MAM, j'ai assez pour construire un établi, assez pour construire un atelier d'équipement. Je pense que j'ai tout. Il faut peut-être un peu de béton au cas où pour monter en hauteur. Là. Puis on va l'explorer par là-bas, je pense. Est-ce que j'ai assez de d'armes? Oh oui, je pense. Bon, oh, je pense que ça devrait suffire. Je m'inquiète pas trop. Alors, sachant qu'on est en exploration, on met ça là. Ah, je peux pas débloquer. Ah, je peux peut-être essayer de débloquer par contre. C'est la recherche pour les débloquer. C'est dans quel truc? Comment si c'est pas dans le quartz? Si c'est là, bah là, je dessine radio. Ouais, non, c'est un peu cher pour le moment. On va faire la vieille méthode, savoir on marche et on cherche. Déjà il y en a un là-haut, mais j'ai peur qu'il demande, je crois, une tonne de trucs. Allez, à l'explo. Si je me rappelle bien, en 1.8, il y avait une. Bon, en 0.8, à l'update 8, il y avait une énorme grotte là. Il y avait un truc dedans. Je vais aller voir. Alors, sans le but là, c'est juste de trouver des trucs pour faire de la recherche. Pour enfin pouvoir débloquer ces putains de recettes alternatives. C'est aussi pour ramasser les baies des bois. Je mets quelques baies des bois. Ah. Le dogo. Oh, il y a des folberies. Ah, j'ai enfin eu le succès. Est-ce qu'il y en a d'autres par là? Oh, il y a une ascenseur. Oh là, chit. I was not built to use organic components for communication. I am adjusting. The effigy's mega flow. You run on the current? I am not sure what you mean. I do run on a current. I am a digital construct. D'accord. Je suis à un endroit dans la map où il y a l'histoire du temple. Putain, les cascades sont classe maintenant. Bon, après, mes graphismes le rendent peut-être pas hommage. Avant, elles étaient horribles. Enfin, c'était vraiment des cascades. Ah, putain! Alors, est-ce qu'il y a toujours la grotte? J'ai bien l'impression.
Yep, c'est toujours la grotte. Merde. Oupsie. Excusez-moi. Je fais que passer. Voilà. Je me suis tout pris. Les baies. Hop. Alors. Est-ce que. Déjà, il y a toujours la grotte, c'est sûr. Ouh. Ça a changé. Oh, c'est beau! Oh, c'est joli. Il y avait un crash, je crois, ici, normalement. À moins que c'était pas ici. Des baies. Ou alors c'était en hauteur. Peut-être remonter, c'était en haut. Pas mieux voir, je crois. Ah. Il y a un truc là. Ah mais c'est le... Ah maintenant c'est pas le crash. Ah oh, tiens c'est quoi ça? B374 et... On dirait un truc de Star Wars. Attends c'est pas un truc de Star Wars ça. B374 et... Pourquoi je suis sur Bing, what the fuck? 2014, Helmet, Star Wars. Je suis pas sur Bing. En tout cas, on dirait un peu une référence à Star Wars, je sais pas ce que c'est. Ou alors, c'est peut-être une référence à Sanctum, j'ai jamais joué. Un repousse Xenos, une tôle de cuir, un moteur. Donc, ils ont enlevé le crash et ils ont mis ça à la place? D'accord, bon, c'est bien. Oh, du plastique! Plastique gratos. Bon, ouais, on va pas me servir à grand chose parce que j'ai rien débloqué qui utilise du plastique. Bah, il y a les fleurs. J'étais sûr qu'il y avait un crash pourtant. Ça. Moi les champis. Okay, là-bas il y a. Okay. Alors, les limaces je m'en fous pour le moment. Ok, il y a plein d'araignées, j'y vais pas. Plus tard. J'aurai un jackpot. Oh, il y a un nid là. Mais si, il y a un crash là, je vois des trucs. Les cadres modulaires là. Il y a un crash. Putain, si, faut aller là-haut, je crois que je le vois, il est là. Oh putain. Alors. Fondation. Pourquoi mon truc s'affiche plus?
Ok, c'est bon, ça s'est affiché. Buggy. Désolé, les gens qui disent que ça c'est des structures métalliques, je suis désolé, ça c'est juste des coraux. Mais bon, après on peut croire, je crois un peu à la théorie qui m'attend, en plus que ce sont des veines du coup. Histoire des veines qui racontent les voix dans ma tête. Allez, 10. Hop là, ça nul. Parce que c'était buggé. Ah non, il y en a encore une autre. Oust, enfant de Satan. Merde. Je me loupe à chaque fois. Putain, je croyais que c'était des grosses. Hop. Du coup, il n'y a plus de crash. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Donc il est plus haut encore. Là, il y a une sphère. Okay. Là, il y a du sable là. Moi la bouboule. Et du coup il y a pas. Putain mais j'étais sûr qu'il y en avait un là. Pas dû. Ah si, finalement j'aurais dû. Il y en avait deux. On espère. Alors, qu'est-ce que tu as raconté? If I had a body, it would be a temple. You have no body? I don't think we're on the same line here. You see lines where there are curves, shallows where there are depths, consume our blood. I will continue gathering data, I suppose. Ok. Apparemment, oui, du coup, alors du coup la planète serait vivante et on les consomme. Ouais, c'est pas grave.
Merci. Ah, c'est bon, ouais. Une usine de temps en temps, c'est quoi? C'est horrible. C'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de pauvres à exploiter ici. Donc, ça va, hein, c'est bon. Ah, comment ça, niveau de radiation? Comment ça, niveau de radiation? Ah! Ah non, pas eux! Non! Oh putain, chier. Viens, sale bâtard, viens. Viens, je t'attends. Il faut que j'aille au corps à corps. Bug. Alors, oh, des cristaux de caoutchouc, oh, des heavy modular frame, oh. Ça c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'ouvrir? C'est un truc. Ah, je plus de préparation nécessaire, silice. Putain, j'en ai pas. Par contre, je crois que j'ai vu du cristal qui traîne, du moins du quartz qui traîne quelque part. Je vais le casser. Hein. Ah oui, là-bas. Hey. Sinon, c'est le recharge du quartz. Ah. C'est ça que je vais en faire 10, je pense. Sexteur spécial établi. Ah, si, c'est bon, je peux en faire 10. Alors, 10 sinus pour réparer le drop. Ce parachute. Hop. Voilà. Spécial. MAM. Disque dur. Analyse. Voilà. Bon, maintenant, faut que je retrouve le trou que... supprime toutes ces fondations. Ça marche pas ici. J'ai failli mourir. Comme une merde. Sur la plage là-bas. Pam pam. Ah bah tiens.
sur la plage, il y en a un sur la plage. Il est pas mort l'autre. J'ai foutu un coup de fusil. Voilà. Attends, faut y aller doucement. Bon, toi tu m'as vu mais c'est pas grave. Eh merde! Ah, j'ai tout loupé! Ça, ça évite de devoir faire quoi que ce soit. Alors... Putain. Ah, il y a une sphère. De l'histoire. Je veux voir Ada parler avec. Bam! Ah, elle en a. Ça. Je sais, il faut que je récupère. J'ai l'impression qu'ils ne disent plus part of figure. Allez. Bon, attends. Je suis censé faire un parcours. Attends. Ah. Helping Med leaving it. Our blood will eat, build, teach. I have no use for blood. You do, consume. Interesting. D'accord. Ok.
Alors. Pas tombé. Alors. Ce jour-là, tu tombes. Adieu. Alors. Hop. Hop. Je suis sûr, ils ont rajouté des trucs sur l'île du paradis. C'est sûr. Ils disent qu'ils n'ont rien rajouté, je suis sûr, ils ont rajouté des trucs les temporaires. C'est comme ils disent qu'il n'y aura pas de cutscene. Moi j'ai des doutes, je suis sûr, il va en avoir. Pire que toutes ces zones étaient inexplorables avant. Elles te tuent automatiquement. Après, au niveau de la distance par là-bas, je sais pas jusqu'où on peut aller, mais j'y arrive pas. Ça, c'est sûr. En vrai, faire une base ici, c'est genre, c'est trop classe. Hein. Ça dit qu'il y a un pont, mais je vois pas de pont. Mais ouais, faire une base ici, en vrai, c'est, ça peut être beau, mais genre t'as aucune ressource du coup. Plaque en main s'est coulée ou mettons. Oh, oh, c'est de la merde. Que de la merde. Bon, du coup, il y a vraiment rien sur l'île. Je veux pas tout explorer, mais. Pour commencer, je pense qu'il y a genre vraiment que dalle. Ouais, on va aller dans le. Dans le. Dans le grassifique. C'est
extrêmement dangereux que je fais. Si je glisse un tout petit peu, je peux dire adieu à tout le monde. Ouais, non, parce que normalement ça respawn, mais. Je sais pas où est-ce qu'il va respawn là. Ah, il y a une sphère là-haut. Vite, allez la chercher. Vite, la sphère. Oh putain, je lag. Ah, il y a un groupe là-haut. Oh putain, le lag. Mon jeu aime pas que je chope. Putain, il est résistant hein. Allez. Et il est arrivé. Allez, allez. J'ai pas envie de construire des fondations. J'ai trop la flemme. Oh. Bon, on va devoir construire des fondations. Ah non, on peut passer par là, je pense. Oui, on peut passer par là. Hop. Tac. Ça me demande. Territoire. Parfait. Tu en acier, ton. On est où là? Oh non. La manta. Je vais essayer de la caresser. Je sais qu'on pouvait la caresser dans l'update 8. Juste faire une rampe très grande. On va analyser. Je ne vois pas trop de trucs pouvant être récoltés. Il y a ce truc là-bas là qui m'intrigue. C'est... Ah non, c'est la petite arche. La petite arche faite avec les veines. Donc ça j'ai récolté. Ça a l'air d'être un truc ça là-bas. Ouais, faut attendre qu'elle revienne maintenant. Allez, reviens. J'ai besoin de te caresser. Normalement, elle va tourner pour aller sous l'arche. Et elle va revenir. C'est quoi ça là-bas? Un arbre, j'ai l'impression. Ah, elle arrive. Non, elle passe sous l'arche.
Ah, il est quand même gros le projet assemblage. Alors, elle arrive ou pas là? Faut que je fasse un scan de Sam pour voir. Ah, il y a un là-bas. Ah oui, non, mais celui-là c'est normal. Ah, celui-là il est nouveau par contre. Ah, celui-là aussi. Ah, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Elle revient, la moth. Comment ça s'appelle en français ça? Papillon de nuit? Allez, reviens. Ah, c'est bon, elle arrive. Faut que je te caresse. Je vais peut-être monter encore la rampe. Au cas où. Allez, on va essayer de l'atteindre comme ça. Là. Ah, c'est bon. Large. Large, large, large. Ça donne un succès. Okay. Alors j'ai vu une sphère. Une sphère. Et ah, il reste une là-bas. On va la chercher. J'attends que le prochain. Le prochain disque dur se termine et je vais peut-être arrêter le stream ici. Ah, mais ils ont rajouté des. Il y en avait que 3 ici avant, je crois, non? J'ai l'impression qu'ils en ont rajouté une. Allez. Hop là. Allez, je suis par lui. I am still unable to initiate communication. How are you doing it? We composed a resonant song to curb the effigy, tapping into the inner currents. We sacrificed our blood and our temples and let the metal in from the void to eat our flesh. That's a lot to unpack. How do you tap into these inner currents? Consume our blood, worship at our altars, curb the melody. I do not understand. Flat frequencies paint straight lines. The blood is a teacher. Each altar is a window. Processing data. Donc, chaque temple donne sur le vide. Genre comme ça là? J'arrive pas à savoir si c'est du lore. Ou si c'est du. J'arrive pas à savoir si c'est du lore ou si c'est du. Ou si c'est réellement dans le jeu en fait. Foreuse automatisée. Ou rotor en cuivre. Non. Putain. Ça sera rotor en acier. Non, bah ça sera ça, un tuyau en acier moulé quoi.
Je voulais les baies. Les baies, pas les feuilles. Je veux les baies. Les baies des bois. Normalement, je suis sûr qu'il y a une sphère. Avant, il y avait une sphère ici. Hey. Je veux les baies, je veux pas l'herbe. Faut que je vise les baies. Oh, il y en a une là. Ok. Prochain message. J'ai l'impression que c'est toutes les deux sphères. Il t'en dit un. Alors. Eh ben non, j'ai perdu, c'était pas toutes les deux sphères. Ah, c'est là où j'ai commencé. La première fois que je joue au jeu. Je commence normalement là-bas. Puisqu'il y avait trois ressources de fer côte à côte normalement. À moins que c'était pas ici. Si, si, c'est là. Mais si, si, là normalement il y a une ressource de limestone. Ça, et puis là-bas il y a trois ressources de fer. Ah, il n'y en a plus que deux maintenant. Attends, quoi que. J'étais sûr qu'il y en avait trois. Oh, j'ai dû rêver. Alors. Normalement là-bas derrière je crois il y a un drive. J'ai plus de fois aller chercher du sou. Yep, y'en a un. Hop. Protégé par des cochons normalement, ouais. Voilà. Hop là. Normalement là-bas par contre c'est bloqué. Donne-le-moi. Ah mais c'est du soufre ça. Impur. Ah mais c'est bien, c'est sympa ça parce que t'as du soufre impur là, mais là-haut t'as du charbon. Donc du coup tu peux faire autant. Pourquoi ça fait de l'eau?
Ouais, mais j'aimerais bien. Mais... Hop là, esquive. Bah, ça veut quand même dire qu'ici avant il y avait une rivière. Parce que ça ressemble plus au lit d'une rivière, et ça devait être un lac. Parce qu'il était séché. Bon, le prochain disque dur, il devrait pas tarder là. 5 minutes. Ça va. Je vais fouiller la zone à la recherche d'autres disques durs. Déjà là-dedans. Changer de place le summer slow. Avant il était coincé dans un. Attends, est-ce que la grotte est nouvelle? J'ai pas le souvenir qu'il existait cette partie de la grotte. Ah. Je déteste ces merdes. J'ai vraiment pas le souvenir que cette partie de la grotte existait. Ah, apparemment faut croire qu'elle existe déjà. Ah, il y en a une grosse. Non, c'est fou. Ça me donne des frissons alors que je suis pas arachnophobe. Je sais pas comment ils sont faits, mais c'est une horreur. Je suis pas arachnophobe, mais ça me donne des frissons, c'est merde. Non, c'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Mais si, c'est par là. J'ai des masques à gaz pour le moment. Alors... Ils ont changé ce morceau de place parce qu'avant je crois qu'il était sur l'espèce, il était incrusté dans le mur. Saute-moi dessus, saute-moi dessus. Hop là! Saloperie. Arrêtez de parler. Ah, mais c'est parce qu'en fait ils ont changé le sens de la grotte. La grotte avant était dans l'autre sens. Hop. Non, je suis tombé. Putain, je vais péter un câble, vas-y, ta mère là. La grosse fromagère là. Hop. J'ai rien à foutre. Je suis fou. Voilà. Ta mère la grosse fromagère aussi. Ah, il y a incrusté autrement. De la recherche du mal.
Putain, donnez-moi le... Oh, bon. Je vais arrêter là. Mon petit stream quand même. Mais à la prochaine !